Rien n'échappe aux Parisiens. Le célèbre journal a, ce dimanche 4 septembre, publié un papier au sujet de la rentrée assez mouvementée de Brigitte Macron. S'il évoque ainsi les différents déplacements que la première dame s'apprête à réaliser en faveur de la protection de l'enfance, le quotidien régional français en a également profité pour revenir sur l'été des Macron. Et celui-ci fut visiblement bien chargé. Bien avant que le journal en parle, des photos avaient bien évidemment fuité sur les réseaux ou dans les magazines People. Les lecteurs ou internautes ont ainsi déjà pu voir Emmanuel Macron sur un jet ski ou encore le président et sa femme au bord d'un bateau en maillot de bain. Cependant, un élément n'était pas encore arrivé aux oreilles des Français. Brigitte et Emmanuel Macron ont organisé un dîner secret avec un ancien président. Toujours selon les informations du Parisien, il semblerait qu'Emmanuel Macron n'ait pas uniquement coulé des beaux jours sur un jet ski ou sur un bateau en compagnie de son épouse au cours de son été. Un ami de la première dame a révélé que celle-ci avait priorisé sa famille durant ces deux mois, et en avait profité pour lire. Également, certains visiteurs se sont rendus dans la villa du Cap Nègre du couple présidentiel. Ce fut le cas de Nicolas Sarkozy et de sa femme, Carla Bruni, lors d'une soirée du mois d'août. Ce dîner est ainsi resté secret jusqu'alors, et démontre l'amitié et l'implication des deux présidents français. Voilà une nouvelle information qui n'a pas échappé au très fameux quotidien. Celui-ci s'est toutefois davantage étendu sur les prochaines missions de Brigitte Macron, notamment dans le cadre de son engagement pour la protection de l'enfance. Celle-ci devrait notamment accompagner son époux à New York la troisième semaine de septembre à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies afin de parler harcèlement scolaire dans une école de jeunes filles de Harlem.